Les Français, ils sont un peu cons, parce qu'ils ont peur de l'hiver. Alors le soir, ils ferment leurs volets et ils mettent le chauffage à fond pour que la neige, elle rentre pas dans la maison. Et puis, quand il y a la neige, eh ben, le journal, il laisse la parole au grand philosophe. Mais, les bacs, les trottoirs ne sont pas nettoyés pour autant. Un dernier conseil. Et puis, il y a aussi un journaliste qui donne un tas de conseils à la con. Parce que dès qu'il est parti, eh ben, il fait un accident. Et puis aussi, les chefs de chantier, quand ils s'ennuient, ils prennent des chevaux et ils les découpent pour en faire des steaks hachés, parce que c'est bon les steaks hachés. Et puis aussi, il y a un con qui a cribouillé tout le planisphère. Et puis, notre président, il est complètement con, parce qu'il croit que les objets, ils parlent. Il faut que les armes se taisent. Mais il est aussi très marrant, parce qu'il fait son propre spectacle humoristique. Dis homme, dis président. Oh, ben, je préfère plutôt qu'on dise ça que le roi fainéant. On en a connu. Ça, au moins, à force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je fais. Et puis mamie Jeannette, elle voulait aller au solde comme tout le monde, mais comme elle est sénile, eh ben elle est restée comme une conne dans le froid toute la journée. Et on a eu droit à... un extraordinaire voyage en Polynésie. Et ben grâce à ce reportage, j'ai appris une information d'ordre capital. Ouais, le steak frites, c'est ce qui marche le plus ici. Et j'ai aussi pu voir un touriste qui imite une statue avec beaucoup de classe. Et on finit avec le proverbe du jour. Tout le monde n'a pas la chance d'être spécialisé dans le poulet grillé. C'est la fin de ce journal. Oui, je crois que c'est mieux.